visage en sang. Au sujet de John, et il dit que
Sosnowski. Et sur cette enveloppe, il y a un message bizarre. C'est marqué T.Bennett, virgule, bon morceau. Donc, ça y est, la police, elle avait besoin de quelque chose qui reliait John Sosnowski à Tonya Bennett et ils viennent de trouver la preuve qui les lie. C'est à ce moment que John Sosnowski, en personne, arrive, il rentre chez lui et il y a les policiers qui y sont. Alors John, il est très cool, il est très détendu et la police lui demande de venir au bureau du shérif avec eux et il accepte tout de suite. Et donc au bureau du shérif, la police l'interroge. John Sosnowski, il dit qu'il connaît pas Tonya Bennett. La police du coup lui montre l'enveloppe qu'ils ont trouvée chez lui. Que cette enveloppe faisait là et qu'il n'a jamais vu cette enveloppe. Et John, il est relâché. Quelques jours plus tard, Laverne Pavlinac, la petite copine, elle rappelle les policiers et elle dit qu'elle a trouvé quelque chose dans la maison qui pourrait les intéresser. Donc elle vient au commissariat avec un sac à main. Les policiers ouvrent le sac à main et ils tombent sur la braguette d'un jean. Donc là, c'est bon, ils disent on l'a. Une autre preuve, il y avait déjà beaucoup de trucs, donc il convoque John à revenir au poste. John, il dit qu'il sait pas ce que la braguette faisait chez lui. Par contre, il finit par avouer qu'il connaît Tonya Bennett parce qu'ils se sont vus plusieurs fois au JB Lounge. Et John, il dit que le soir du 21 janvier, il a vu Tonya Bennett dans le bar, le JB Lounge, et que Tonya Bennett, elle est partie avec sûrement dans un motel et qu'il a après revu Chuck dans la soirée et que John lui a demandé de le ramener chez lui. Et c'est là où le récit de John devient un petit peu incongru. John dit que quand il est monté dans la voiture de Chuck, il y avait quelqu'un de couché sur le siège arrière, une femme. Et il dit qu'en chemin, il s'est aperçu qui était sur la banquette arrière était morte. Donc la police, là, ils se disent que John, il est en train de se payer leur dette de puissance 20 000. Mais le lendemain, ils sont complètement choqués parce qu'en fait, ils ont fait analyser la braguette que Laverne Pavlinac avait ramenée au laboratoire et les analyses du labo disent que la braguette provient absolument pas du tout du pantalon de Tonya Bennett. Les découpes ne correspondent pas, le tissu ne correspond pas, et donc les policiers, ils rappellent Laverne Pavlinac, parce que c'est elle qui leur a rapporté le sac à main et la braguette. Et Laverne Pavlinac, elle dit très rapidement que c'est elle en fait qui a découpé la braguette sur un de ses propres pantalons. Parce qu'elle voulait que John soit arrêté
troisième version. Elle dit, alors tenez-vous prêt parce que cette version-là, elle est complètement, j'ai pas le mot, mais complètement folle. En gros, elle dit qu'elle est arrivée au Jeepy Lounge le soir du 21 janvier et elle a vu John en train de parler avec Tony. À rouler. À ce moment-là, John, il s'est tourné vers Tonya Bennett et il lui a proposé de coucher avec elle devant Laverne Pavlinac. Laverne Pavlinac, elle dit au policier, bah voilà, j'ai 58 ans, il a 39 ans, donc j'étais pas trop étonnée, je me doutais qu'il préférait les plus jeunes. En gros, j'accepte la situation. Elle dit que après, elle s'est garée. Sont sortis de la voiture, qui sont partis faire leur affaire, que quelque temps après, John il est revenu tout seul pour chercher une cordelette et il a dit à Laverne Pavlinac que c'était pour attacher Tonya Bennett comme une espèce de jeu. À ce moment-là, il a demandé à Laverne Pavlinac de venir avec lui et elle a vu que la fille était couchée dans l'herbe mais vivante. De là, John il aurait demandé à Laverne Pavlinac de passer la corde autour du cou de Tonya Bennett pendant qu'il faisait son affaire. Laverne Pavlinac dit que John lui disait de serrer toujours plus fort, qu'à un moment elle a trop serré et qu'elle s'est rendue compte que Tonya Bennett était décédée. Le truc, c'est que là, elle s'accuse elle-même d'avoir tué Tonya Bennett, donc on peut se dire que si elle vient s'accuser, c'est forcément vrai parce que sinon elle s'accuserait pas. Mais le problème, c'est qu'elle a tellement menti, c'est une troisième version qu'elle sort. Toutes les versions qu'elle sort, la première encore ça va, mais la deuxième et la troisième version, elles sont quand même très bizarres. Et donc du coup, la police ne savent pas si elle dit la vérité ou pas. Mais même si la police est un peu dubitative, ils arrêtent quand même Laverne Pavlinac et ils la mettent en prison. Donc les policiers, eux, ils ont une petite une hypothèse en fait sur cette troisième version. En fait, ils pensent que Laverne Pavlinac, elle couvre John parce qu'ils pensent qu'elle est sous son emprise, même si John à ce moment-là il est lui-même déjà incarcéré. Mais ils pensent que l'emprise est tellement grande que même incarcérée, du coup, elle se... Vous m'avez compris, elle dit que c'est elle à sa place. Et donc, il y a un procès qui est prévu pour juger les deux. Et juste avant le procès, Laverne Pavlinac, elle demande à parler et elle dit qu'elle a menti. C'est bien John qui a tué Tonya Bennett. Donc le procureur, il fait écouter au jury l'enregistrement des aveux de Pavlinac, là où elle dit que c'est elle qui a étranglé Tonya Bennett. Et les jurés, eux, ils ont l'impression qu'elle ne ment pas. Et là, en plein procès de John et Laverne Pavlinac, on découvre un graffiti restaurant sur le bord d'une route du Montana. Ce graffiti, il dit, j'ai tué Tonya Bennett, je l'ai battue à mort, je l'ai violée et j'ai aimé ça. Oui, je suis malade, mais ça ne me déplaît pas. Le truc, c'est que Laverne Pavlinac, c'est impossible qu'elle ait écrit le graffiti puisqu'elle était en prison. Et ça peut pas non plus être John puisque lui aussi était en prison.
3 ans. Se débarrasser de John, que John
chose.
sortir de ses gonds et il a commencé à la frapper. Il a commencé à la frapper, il la frappe, il la frappe, il n'arrivait plus à s'arrêter. Et au bout d'un moment, pendant qu'il la frappait, il dit qu'il s'est dit qu'il allait aller en prison parce qu'il la frappait. Donc elle, après, il s'est dit c'est sûr qu'elle va me dénoncer. Et comme il ne voulait pas aller en prison, et bah du coup, il l'a étranglée. Et après, il a vu qu'elle ne bougeait plus. Je fais une parenthèse, je trouve ça je trouve que cette justifique, enfin, déjà on va partir du principe qu'il n'y a pas de justification à tuer quelqu'un, mais de se dire je la frappe et comme je veux pas aller en prison je vais la tuer, on est quand même, on voit qu'il y a, il y a un souci quand même quoi, c'est complètement du coup on lui demande pourquoi il a découpé la braguette, hein. C'était le premier mystère. Son récit, il colle parfaitement avec la scène de crime qui avait été retrouvée 3 ans plus tôt par les policiers. Et la police, du coup, il l'emmène avec eux sur place pour que Kiss Person leur montre où est-ce qu'il a, il aurait laissé le corps, etc. pour voir si ça match avec là où ils ont vraiment trouvé le corps. Et en fait, il leur montre un endroit qui n'est pas l'endroit où on a retrouvé. Sac à main, pareil, il leur montre un endroit recouvert de buissons, mais ils fouillent et ils n'arrivent pas à retrouver le sac à main. Donc là, ils sont en train de se demander si en fait, Kiss Person, il a tué sa petite amie, il est dans l'attente de son procès, il sait qu'il va être condamné à la prison à vie, et donc du coup, il a inventé toute cette histoire pour pouvoir sortir un petit peu, prendre l'air. C'est qu'après il ne pourra plus le faire, donc il pense qu'il ment. Mais une semaine après, il y a un des enquêteurs qui appelle le procureur pour dire que il a retrouvé la carte d'identité de Tonya Bennett exactement là où Kiss Person disait qu'il l'avait mise. Et en fait, lui il a fait appel à des scouts et c'est du coup les scouts qui ont retrouvé. Ça change toute la donne parce que c'est que le tueur en fait qui pouvait savoir où est-ce que la carte d'identité était cachée. Donc c'est bien lui le meurtrier. Donc ça veut dire que Laverne Pavlinac et John Sosnowski ont passé 5 ans et 9 mois en prison pour rien. Qu'ils ont été mis en prison et ils n'ont pas essayé de se défendre. Santé sans qu'il fasse aucune démarche aussi. C'est complètement pour ces deux-là que pour le coup, ces deux zigotos, en fait, Laverne Pavlinac, elle voulait juste mettre John en prison et elle a inventé toute une histoire qui a très bien marché. Du coup, John et Laverne sortent de prison innocentés en novembre 1995. Entre-temps, Laverne c'est que
intéressant d'un point de vue, oui, psychologique, en fait, d'en savoir un petit peu plus sur ces personnes qui commettent des crimes pour essayer. Je pense que c'est le truc. On est tous pareils quand on écoute du true crime, je crois, oui, qu'on a tous cette partie aussi de. On essaye de comprendre en fait comment des personnes peuvent arriver à des extrêmes comme ça. Et donc je trouve que de connaître un petit peu les tueurs, ça peut nous aider peut-être à comprendre, pas à excuser, mais à comprendre un peu. Donc Jesperson, il avait un père qui était alcoolique et violent et qui battait Keith à coups de ceinture. Jesperson, il avait une passion. Il adorait torturer les animaux, les chats, les chiens, les oiseaux. Il brûlait les animaux, il leur arrachait les poils et il les écartelait. Et à la fin, il les étranglait à chaque fois, à chaque fois. Donc déjà, voilà, à 10 ans. Se jette sur Martine à 10 ans, il veut le tuer et ça se joue à pas grand chose en fait. Et finalement, il le tue pas, mais ça s'est joué à pas grand chose. Un an plus tard, Kiss a 11 ans, il est en train de nager dans un lac. Il y a un garçon de son âge qui arrive qui lui bloque la tête sous l'eau jusqu'à ce que Kiss ne puisse plus respirer. Et donc, quelques temps plus tard, Kiss se venge à l'école, il fonce sur ce même. Il le tire vers la piscine, il lui met lui aussi la tête sous l'eau. Et il va falloir que le maître nageur intervienne pour empêcher Keith de noyer son camarade. Il dit qu'à cette époque, il n'arrêtait pas de penser à étrangler des êtres humains. Jesperson, il obtient un diplôme d'études secondaires et ensuite un emploi comme chauffeur de camion. Il se marie. Enfants. D'ailleurs, une de ses filles a fait un documentaire sur Netflix où elle raconte du coup l'histoire que je viens de vous raconter. Je l'ai pas vu, faudrait que je la regarde, mais j'ai vu qu'il y avait un documentaire. Donc il a trois enfants. En 1990, après 15 ans de mariage, il divorce et il devient policier dans la gendarmerie royale du Canada. C'était son rêve. Mais il se blesse et du coup sa carrière est stoppée. Du coup, il retourne à faire chauffeur de camion et c'est là qu'il commence à tuer. À l'issue du procès, je pense que vous vous en doutez, Keith Hunter Jesperson, il est condamné à la prison à vie pour 8 meurtres. En faisant des petites recherches, j'ai vu, là, il y a eu un petit, une nouveauté dans cette affaire. Faux meurtre. En fait, il y a 40 ans, il y a une dame qui s'appelle Patricia Skipple, c'est une mère de famille de l'état de l'Oregon, qui avait été retrouvée sur le bord d'une autoroute californienne. Et en 2006, Jesperson, il avait envoyé une lettre au bureau du procureur du comté de Santa Clara en disant qu'il avait agressé sexuellement et assassiné une femme inconnue le long d'un détour en terre sur la route 152. Et donc du coup, quand ils ont retrouvé le corps après, et ben ça matchait. Et donc du coup, on lui a attribué ce nouveau crime là très récemment. Donc voilà, voilà, voilà pour cette histoire. Je m'excuse, j'ai l'impression que j'ai eu du mal à articuler. Mais voilà, c'est une histoire qui est, je trouve, en fait, si on devrait même ça fou, je vais essayer de structurer ma pensée, je trouve ça fou qu'il y ait deux personnes qui étaient en prison, qui ont même pas essayé de se défendre alors qu'elles n'avaient rien à voir, c'est-à-dire que c'est même pas comme si c'était des complices et du coup ils ont pas la conscience tranquille et ils essayent de
se revoir.